Eh bien, salut tout le monde, c'est Ecto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera la première vidéo du coup de la série L'obtention de tous les Dofus. Cette série, du coup, oui, j'ai eu cette idée vu que, étant donné que je fais les bilans de ma team, environ, je dois en faire environ tous les 20-30 jours maintenant, à partir de maintenant. Et à côté, vous aurez cette série aussi, un épisode à chaque obtention de Dofus. Du coup, j'ai commencé par le Dofus Kawotte, qui est le premier Dofus logiquement. À part ça, bon, il y a le Dofawa et l'Argenté. Mais voilà, c'est petit Dofus, le Dofawa, on l'a en deux quêtes. Et l'Argenté, c'est un Dofus aussi simple à avoir. Donc je commence à partir du Dofus Kawotte. Logiquement, il y aura le Dokoko après celui-là, qui est un Dofus un peu plus dur à avoir, plus du niveau 100 environ. Après le Dokoko, je vais vous proposer l'Emeraude. Donc ça, c'est la suite logique, quoi. Puis le Pourpre, le turquoise, et après on passera aux plus gros Dofus comme les nébuleux, le nébuleux, l'abyssal, le vulbis, l'ivoire, etc. Mais ça sera un peu plus tard quand la team sera à niveau 180-200. Mais pour l'instant j'ai déjà ces 5 Dofus en tête pour cette aventure, donc qui sont le Kawotte, le Dokoko, l'émeraude, le turquoise et le pourpre. Ça sera déjà pas mal. Aussi, bon, je tiens à vous... Enfin, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, parce que là, normalement, quand je sors cette vidéo, ce sera le 25 décembre, que vous avez été gâtés et que vous avez bien profité avec votre famille. Et je vous précise aussi que cette première vidéo, du coup, elle est en différé, parce que quand j'avais filmé ça, j'avais pas l'intention de faire cette série encore. Mais vu que voilà, j'ai filmé, je vais commenter cette première vidéo en différé. Normalement, le Dokoko, ça sera en commentary live, et d'ailleurs, comme tous les autres Dofus, sauf vraiment si les combats sont chiants. Par exemple, l'émeraude, faire 4 fois le Dark Vlad en vidéo, voilà, je vais peut-être le mettre en accéléré et commenter par-dessus. Mais du coup, voilà, vous pourrez suivre mon aventure à chaque fois que je ferai un Dofus sur ma team de zéro. Je compte tous les faire, étant donné que j'ai besoin de beaucoup de points de succès et que j'ai pas assez de Kama forcément pour les acheter. Après, il y en a qui vont être plus compliqués que l'autre, évidemment. L'émeraude avec les écailles, ça va être compliqué, je pense que je vais devoir les acheter. Le pourpre avec les roses des sables, pareil. Après l'ivoire, tous les prérequis et tout, bon, ça sera plus tard. J'en y ai pas encore, mais bon. En tout cas, j'espère que cette série va vous plaire, que voilà, vous allez bien l'accueillir, parce que c'est un peu un complément des bilans de ma team, du coup. Parce que voilà, c'est un mini bilan, mais au niveau des Dofus, quoi, que j'obtiens. Cette vidéo, elle date un peu de 2 semaines environ, vu que voilà, ma team était niveau 60. Elle est un peu plus haut niveau actuellement. Mais bref, du coup, voilà, vous pouvez voir que j'ai réussi ce donjon. Et que j'ai obtenu mon Dofus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye!